Alors aujourd'hui encore, je partage avec vous l'une des chansons de ma playlist que j'espère que vous allez apprécier, adorer, que j'espère que vous allez partager, sur laquelle j'espère que vous allez taguer autant de personnes que possible. Bref, c'est une superbe chanson. Écoutez. J'ai diminué un peu. Voilà. Le titre, c'est Éveille le champion. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Paraclet, Saint-Esprit, Paraclet. Éveille le champignon qui dort en moi. Dans la vie d'un homme, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais comme ton sauveur suit ce chemin de la croix, relève-toi lorsque tu tombes. Quand Dieu est la source de tes ressources, il te fera voir sa gloire. Il te fera briller de mille feux. Il est le Dieu d'Israël. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Paraclet, Saint-Esprit, Paraclet, éveille le champignon qui dort en moi. Cette chanson, tu as besoin de la partager, de la repartager, parce que ton frère, ta soeur, ton voisin, ta voisine, ton cousin, ta cousine, ou juste tes parents ont besoin de l'entendre. Tu n'as pas à attendre que ce soit les autres qui fassent des bénédictions sur ta vie. Toi-même parle, prends possession de toi et prends possession de ta vie. Proclame des bénédictions et des choses positives sur ta vie. N'attends pas que ça vienne d'ailleurs. De ma vie, donne-moi la force de David. Face aux difficultés, Seigneur, je veux la patience de Joseph. J'ai foi en ce Dieu grand et vaillant que tu es, Seigneur. L'échec fait tomber les perdants, mais il inspire le gagnant. Éveille donc le champion qui dort en moi. Chaque parole que nous prononçons a une conséquence sur notre vie. Et la conséquence va avec la qualité de la parole que nous envoyons. Si c'est une parole positive, la conséquence sera positive. Si c'est une parole négative, la conséquence ne sera que négative. Alors faites attention à ce qui sort. Tout ce qui suit le « je suis » a une importance énorme. Nous avons tous été conçus pour briller tel l'or. Nous avons tous été conçus pour briller, lumière du monde. Écoute, je suis né pour faire échec à l'échec. Je suis né pour briller. Éveille le champignon qui dort en moi, Saint-Esprit, Paraclet. Je vous aime très très fort. Et je prie pour que vous ayez cette force-là de surmonter les montagnes. Cette force de tout déplacer, cette force d'aller toujours de l'avant. C'était Frida.